Good morning, allez Yiden, les suisses aujourd'hui le Nishmat Avram Chayin Orber Ben Fortuné Mazal, Dov Ben Yehudit, Micha Machlouf Ben Masouda, Nachman Yosef Ben Nachum, Yaakov Nissim Ben Chana. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions ma Sechet Meila, Perikbet, Mishnatet, Akometz, Valevona, Veaktoret, Uminchat Kohanim, Uminchat Kohen Mashiach, Uminchat Nesachim, Moalin Baen, Mishé Hukdeshu, Kadeshu Bakli, Uchcheru, Lehipasel, Bitvul Yom. Ou bien Khosar Kipurim, ou Balina. Le Chavin Alain Mishum Notar, ou Mishum Tame, ou Pigoul En Baem. Ze Aklal Kol Sheyeshlo Matirin, Chavin Alain Mishum Pigoul Notar Vetame, Ad Sheik Revu Matirav. Et Chavin Alain Mishum Pigoul Notar Vetame, Ad Sheik Revu Matirav. Le Chol Sheyen Lo Matirin, Kevan Shekadash Bakli, Chavin Alain Mishum Notar ou Mishum Tame, ou Pigoul En Bo. On finit dans notre Mishnah. La série des korbanot classiques, on va définir comme ça, parce que le prochain continuera un petit peu dans le même principe, dans le même sujet, mais avec des variantes un peu plus différentes, comme on découvrira. Pour le moment, dans notre chapitre, depuis en fait les deux Mishnayot du chapitre Aleph, les deux dernières Mishnayot du chapitre Aleph, et durant tout le chapitre Bet de Meïla, on découvre pour chaque espèce de korban, les différentes étapes du Corban, depuis le moment où on va le sanctifier, puis après le moment où on va l'amener au Beth Mikdash, et puis après le moment où on va faire l'offrande et on va finir l'offrande, chaque étape va enclencher différentes lois. On va commencer à transgresser l'interdit de Meïla, des fois l'interdit de Meïla à la fin il va se faire lever, à la différence on transgressera des interdits de Pigoul Notar Tamé, des interdits de la Mincha, où le corban va être apte à se rendre invalide, à se faire invalider par le s'il se fait toucher par un volume et chosar kipurim, tous les sujets qu'on a évoqués. À présent, on va découvrir dans notre Mishnah une série un petit peu différente, très différente même, de korbanot. De manière générale, à part le kometz qui fait un petit peu défaut et qu'il est là un peu en trop pour nous préciser un détail, mais bon, on va laisser de côté un peu pour le moment, même si le kometz c'est la fin de la Mishnah précédente en fait. On l'a classé dans notre Mishnah, même s'il a des allures différentes. Pour le moment, je me concentre sur le dénominateur commun de toute la suite. La Levona, Ktoret, Minchat Kohanim, Minchat Kohen Mashiach, Minchat Nesachim. Et je vais commencer justement par les trois Menachot, les trois dernières Menachot évoquées. Minchat Kohanim, c'est une Mincha d'un Kohen. Minchat Kohen Mashiach, c'est la Mincha que le Kohen Mashiach il apporte tous les jours. Il devait apporter les Chavitines. Et à part ça, il y a aussi au Minchat Nesachim, la mincha qu'on apporte lorsqu'on apporte un korban. Et là, je vous explique vite fait. Il y a, dans les menachot, de manière générale, on apprenait ça dans la mission précédente, je le précisais bien, que pour une mincha classique, lorsque moi je vais offrir une mincha, une oblation de semoule au Beth Amikdash, eh bien, le Kohen va la recevoir, il va la pétrir, selon le cas, il va faire parfois des petits pains, et après, il va finir par prélever un kometz, une pincée, la fermenter sur le misbéach, tandis que tout le reste va être consommé par les Kohanim. Le dénominateur commun de notre Mishnah, c'est d'évoquer par contre une autre famille de Menachot, que eux sont entièrement consumés sur le Misbéach. Il n'y a rien pour les Kohanim. Et c'est là toute la différence. Et c'est pour ça qu'il y a une Mishnah qui est un peu différente, parce qu'il n'y aura plus trois étapes, il n'y aura qu'une seule étape. En fait, il y aura le moment où on va sanctifier, et le moment où on va le mettre dans l'ustensile. Et c'est tout. Après, il y aura l'interdit de Meïla qui continuera. D'accord? On a parlé donc de Minchat Kohanim. Minchat Kohanim, quand on apprenait dans Menachot, on avait expliqué pourquoi c'est comme ça. Il y a, je crois, le Ramban qui explique. Quand j'offre une offrande au roi, alors le roi, il la reçoit et il prend un petit peu pour lui et il donne à manger le reste à ses serviteurs. Mais lorsque c'est un serviteur qui va offrir une offrande, alors s'il la donne au roi, le roi, il ne va pas prendre un peu et la rendre au serviteur, sinon le serviteur, il n'aura rien offert. Ouais, vous avez compris un petit peu le machal? Eh bien, c'est le principe pourquoi une Minchat d'un Kohen. Quelle que soit la circonstance, lorsque le Kohen apporte une mincha, elle sera entièrement brûlée sur le misbéach. On ne va pas donner un peu sur le misbéach et on en mange. Sinon, c'est un cadeau. C'est comme on racontait quand on était petit, la fameuse blague avec les radins sans culpabiliser personne. Lorsqu'ils jettent des bonbons à la synagogue, ils les jettent avec un élastique et ils les récupèrent. D'accord? Et c'est le même principe. Tu ne vas pas offrir un cadeau à Hachem pour le récupérer. Donc le Kohen qui offre une offrande, l'offrande, on la fait brûler entièrement sur le misbéach. Lorsqu'un Israël vient, il offre une offrande au misbéach. Alors le roi, Hachem, Akadosh Baruch Hu, il reçoit l'offrande, on lui donne un petit peu le petit comète sur le misbéach, il donne à manger à ses proches, au Kohanim. D'accord? C'est le principe, c'est comme ça que c'est explicité dans le Ramban.
sur la Torah. En tout cas, donc, et minchat nesachim, c'est une mincha qu'on apporte. Lorsqu'on apporte un korban, je vais le préciser. Lorsqu'on apporte un korban, alors, comment dire, Rosh Chodesh, Veniskehem, Khatsiaïn et la part, ou Shlishitain Aïn, ou Vitain la Kevasiaïn, je me suis trompé, j'ai parlé du Nesser, ou Minchatam, Veniskehem, Kimdoubar, j'ai mal dit le passo, que c'est pas grave. Chaque fois qu'on apporte un korban au Misbéach, il faut apporter en plus une oblation, selon l'espèce que l'on apporte, une vache, un bélier ou un petit mouton, et il faudra apporter parfois différentes sortes de mincha, de Asirit Haefa, ou plus, il faudra apporter des oblations. Ces oblations-là, elles sont consumées entièrement sur le Misbéach. Elles ne sont pas consommées par les Kohanim, d'accord? L'actorette maintenant, je le refais maintenant en arrière, l'actorette, c'est l'encens. Il y aura aussi un interdit de Meïla, mais regardez de nouveau, il n'y a pas, on donne un petit peu, on sanctifie, après on la met dans l'ustensile, on l'amène et on la fait brûler, c'est fini. Et la Levona, c'est le même principe, cette fois-ci la Levona, alors on la retrouve dans, ça n'a pas été précisé d'ailleurs, je ne sais pas de quelle Levona il parle, il y a deux Levonotes quand on parle de Levona. Il y a la Levona qu'on offre lorsqu'on apporte une mincha, une oblation, il faut rajouter là-bas aussi, une encens qui s'appelle la Levona, il faut la mettre dessus. Après, on fait brûler le comet, on fait brûler le comet, c'est la pincée de la mincha, on la fait brûler, et après on récolte la Levona aussi, on la fait brûler. Ou il y a aussi la Levona qu'on apportait le Shabbat, avec les 12 pains. Alors, sur les 12 pains, on n'apportait rien des 12 pains sur le Misbéach, mais par contre, il y avait là-bas deux cuillères où il y avait les basiré Levona, et on prenait ces deux basirines, et il y avait de la Levona dedans, il fallait les faire brûler sur le Misbéach. Maintenant, donc, la Mishnah commence en me disant, à Komet et à Levona, je pense qu'ils sont, à moitié vrai, à moitié mal dit, pas à leur place, quoi, en fait. En tout cas, le comète, c'est le Levona, je traduis, c'est pas grave. Résout le problème, vous allez voir. À Komet et à Levona, donc ce sont déjà deux choses, que la pincée de la Mincha et la Levona elle-même, la Levona, donc c'est cet encens qu'on ajoute sur la Mincha, et aussi l'actorette, l'encens, la vraie encens qu'on apportait un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi pour brûler tous les jours, dans le Yachal. Ou Minchat Kohanim, donc l'oblation qu'offre les Kohanim. Ou Minchat Kohen Mashiach, la Mincha qu'offre le Kohen Mashiach, le Kohen qui était loin, qui a eu l'huile d'onction. Ou Minchat Nesachim, la Mincha que l'on offre avec les oblations, en fait, qu'on offre avec un korban. Dans tout cela, eh bien, Moalin Bahen Miche Hugdeshu. On transgresse l'interdit de Meïla depuis le moment où on les a sanctifiés par la bouche. D'accord? Pour le moment classique. Dès qu'on sanctifie, on transgresse. Il y avait une seule exception à la règle, c'était les Kodashim Kalim, comme on apprenait ça dans la fin du Perek Aleph. Et donc, depuis le moment où on a sanctifié par la bouche, pour le moment, c'est devenu maintenant la propriété de la trésorerie du Beth Amikdash. Donc, il y a déjà une doucha, on transgresse l'interdit de Meïla si on en tire profit. Meïla, le sacrilège, bien sûr. Katshubikli, depuis le moment où on va le sanctifier dans l'ustensile, alors chaque élément, c'est-à-dire quand on va prendre par exemple le cas des Menachot, on va les mettre dans les ustensiles pour la faire monter sur le Misbéach. Dès lors, ou la Ktoret, on va la mettre dans l'ustensile pour la faire monter, pour la porter à l'intérieur. Et aussi avec le Komet Salelvona, là c'est là, ça fait défaut, justement, Komet Salelvona, c'est pas inclus ici, c'est le Tosafot qui l'explique. En tout cas, Katshubikli, dès qu'on va les mettre dans l'ustensile, eh bien, Urcheru Lipasel Bidvul Yom ou Bim Khusar Kipuri Mumbalina. Maintenant, ces choses-là sont devenues aptes à être invalidées par cette impureté très légère qui sont le Mechusar Kippurim, le Dvulium, ou encore s'ils vont passer la nuit. T'es limité dans le temps, donc maintenant, dès que tu les as mis dans l'ustensile pour faire un korban, selon le principe qu'on a déjà expliqué plusieurs fois, c'est plus un bien de la trésorerie du Beth Amikdash, c'est devenu une offrande. Et si c'est devenu une offrande, alors là, il n'y a pas de restriction dessus, ça peut devenir très facilement impur, et aussi ça va être invalidé si ça passe la nuit suivante. Ok ? Petite parenthèse, pour vous le dire quand même, pour ne pas être infidèle, le Komet Salelvona, là il n'en est plus question, parce que le Komet Salelvona, ce sont des parties qui étaient déjà dans la Mincha. Donc depuis le moment où on a mis toute la Mincha, comment ça se passe normalement? Lorsque j'apporte une Mincha, je prélève le Kohen, il prélève le Komet avec la main droite, avec la main gauche, il prélève le Komet, et pour le Komet, il le met dans un ustensile. Si vous interprétez la Mishnah que Katshubikli, c'est depuis, ça se rapporte même sur le Komet, c'est celui qui a pris la pincée. Il l'a mise dans l'ustensile, il l'a sanctifié, que maintenant ça va devenir Pasoul pour Dvulium et Khusar Kippurim. Et cette halakha, elle est pas juste, parce que depuis la Mincha qui était déjà mélangée avant de prélever le Komet, il y avait déjà l'interdit de Pigoul Notar Tamé. De Urcheru Lipasel Dvulium ou même Khusar Kippurim, comme c'était écrit dans la Mishnah précédente.
Je referme la parenthèse, vous avez compris, tant mieux, vous avez pas compris, c'est pas très grave. C'est dommage, c'est pas très grave. Ou bien Prosar qui pourrit Mobalina. Ensuite, maintenant, c'est là le clou de la Mishnah. Vechayavin aleem Mishum Notar ou Mishum Tamé. On aura un interdit avec eux de Notar et de Tamé. C'est-à-dire, depuis le moment où tu vas les mettre dans les ustensiles, ça y est, on est arrivé au. On a fini le rituel, il ne manque plus qu'à le fermenter sur le misbéar, d'accord? Donc maintenant, il y aura l'interdit de Notar et de Tamé, de reste, d'accord, si ça traîne jusqu'au lendemain, et de Tamé, si jamais quelqu'un va le manger, oui, à la différence d'un corban, qu'il faut le finir pour commencer à être, faut finir complètement pour transgresser l'interdit de Notar et de Tamé, là, on transgresse l'interdit de Notar et de Tamé tout de suite. Mais le clou de la Mishnah, c'est de me dire, Upigul en Baim. Il n'y aura pas d'interdit de Pigoul dans ces corbanotes. Pourquoi? Parce qu'une grande règle qu'on avait appris longuement dans Svachim, je vous la rappelle, qu'il faut que ce soit carré, va matir, ke mitzvato. Comme la Mishnah me le dit tout de suite, Zéaklal, vous allez tout comprendre. Je vais vous expliquer ensuite. D'abord, je traduis, Kol sheyeshlo matirin. Tant qu'il y a des choses qui vont la permettre. C'est-à-dire, dans plein de corbanotes, alors tu offres une offrande, on va te demander de prélever certaines choses, de le faire monter sur le misbéach, le reste on va faire autre chose. Par exemple, un shlamim, on va prélever le sang, on va l'asperger sur le misbéach, et le shlamim, on va pouvoir le manger. Ou tu vas asperger le sang d'une hola pour pouvoir ensuite faire monter la viande sur le misbéach. Donc regardez, il y a une étape qui va te permettre autre chose. C'est ce qu'on appelle que ça, il y en a une qui va être matire l'autre. Et là, on a une grande règle qui va me dire, Kol sheyeshlo matirin, tout korban qui a un matir, c'est-à-dire qu'il faut faire une offrande d'un échantillon sur le misbéach, d'un petit quelque chose de lui sur le misbéach pour pouvoir permettre autre chose, alors en chayavin alav mishum pigul notar betame. On transgressera l'interdit de pigul notar et de tamé, ad sheikrevu matirav. Tant qu'on n'aura pas offert le matir, alors. On transgressera pas l'interdit de pigoul notar tamé. C'est-à-dire, je reprends. On te demande d'asperger du sang d'un corban pour pouvoir manger le reste. Tant que tu vas pas asperger le sang, eh bien, il n'y aura pas d'interdit de pigoul notar tamé. Ces trois interdits-là, ils entreront en vigueur lorsque tu auras fait le matir. Par contre, vechol she'en lo matirin, tout corban qui n'a pas de matirin, il n'y a pas. Tu offres un petit peu pour faire autre chose avec le reste. Il y a ce que tu as, tu l'offres entièrement. Comme c'est le cas de toute la série de notre Mishnah. La mincha, tu l'as mise dans le sensile, entièrement tu la consumes sur le misbéach, pour la mincha de Kohanim, mincha de Kohanim Mashiach, mincha de Nesachim. L'actorette, tu l'as mise dedans, tu la consumes entièrement sur l'autel, le petit autel de... La levona, la même chose, le comète, la même chose. Donc, eux-mêmes, ils ont pas une étape, il n'y a pas d'autre étape de quelque chose d'autre qui va les permettre à eux. Ils sont eux-mêmes, tu les offres. Donc c'est des choses qui sont vechol she'en lo matirin. Tout corban qui n'a pas de matirin, c'est-à-dire qui ne va pas avoir un autre, comment dire, un facteur extérieur qui va faire qu'il va devenir lui, que tu vas pouvoir lui faire d'autres mitzvot. Eh bien, kevan shekadash bikli, depuis le moment où tu vas les sanctifier dans l'ustensile, chayavin alen mishum pigul, mishum notar ou mishum tamé, on transgressera l'interdit de mishum notar et de tamé, l'interdit de notar, le reste jusqu'au lendemain, et de tamé, si ça a été impurifié, ou pigul enbo. Par contre, il n'y aura pas d'interdit de pigul dans une chose pareille. Je mets la Mishnah de côté et je vous explique ça un petit peu plus clairement. C'est pas compliqué, c'est vraiment. Il y a quelque part deux sortes, deux familles de korbanot. Il y a des korbanot où il faut prélever un petit échantillon, en faire quelque chose, l'offrir sur le misbéach, et après, ça va enclencher d'autres statuts pour la viande. Soit elle va être consommable, soit il va falloir la brûler à l'extérieur du Beth Amikdash, soit il va falloir la faire monter sur l'autel aussi de la viande. Mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle un matir. Vous avez compris c'est quoi un matir? Quelque chose qui va maintenant enclencher tout le statut, enclencher d'autres halakhot sur le korban. Tu prends un échantillon, tu agis sur lui pour influencer tout le reste. Mais il y a une autre famille de korbanot, qui sont tous ceux qui sont évoqués dans notre Mishnah, que cette chose-là entièrement, telle qu'elle, tu la consumes sur le misbéach. Alors dans ce cas-là, elle n'a pas de matière. Ça implique deux halakhot. Tout d'abord, une chose qui n'a pas de matière, il n'y aura jamais pigoul. Le pigoul ne concerne que quelque chose que tu as offert l'échantillon avec une mauvaise intention. Et dans ce cas-là, tu as invalidé tout ce qui reste. Mais si la chose elle-même, tu l'as fait brûler sur le misbéach avec une mauvaise intention, j'ai même du mal à imaginer à quoi ça ressemble. D'accord?
C'est plus possible de transgresser l'interdit de pigoule dans une chose pareille. Ça, c'est un. Par rapport au pigoule. Et tandis que par rapport à l'interdit de notar et de tamé, toute corban qui va avoir un matir, lorsque tu vas faire ce matir, tu vas commencer à transgresser l'interdit de notar et de tamé. Mais un corban qui n'a pas de matir, alors depuis le moment où tu vas le mettre dans l'ustensile par lequel tu vas l'amener sur le misbéach pour le brûler, eh bien, depuis le moment où tu le fais entrer, on transgressera déjà l'interdit de notar et de tamé. J'espère que ça a été assez clair, Bezrat Hashem. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.